Yo Patano, c'est Tao, et aujourd'hui les amis, on est simplement sur Gladiators. Mais avant les gars, cette vidéo est sponsorisée par Sigma MC. Sigma MC, c'est quoi? Alors Sigma MC les amis, c'est un kitmap. C'est un kitmap Bedrock les gars, et un kitmap modé. Alors je dis modé parce que oui, ils ont ces magnifiques armures derrière moi. Donc l'armure en nacre juste ici, qui franchement est super stylée les amis. En gros, vous allez dans le minage, vous le minez, vous l'avez comme ça. Récupérez en impur. Comme ça, les gars. Et ensuite, vous le purifiez et vous l'avez comme ça. Évidemment, le stuff a un effet. Speed, etc. Vous connaissez. L'épée est mieux que le diamant. Ce stuff est mieux que le diamant. Bref, un stuff de BG. Mais ici, il y en a un qui est plus approprié pour ma personne. Un stuff royal. Donc, c'est le stuff royal. Il s'appelle comme ça. Donc, je vais tout de suite le prendre. Parce que oui, les gars, je suis un king. Plus sérieusement, regardez ces effets incroyables là. Ça, c'est une dinguerie. Puis, il y a cette épée. Évidemment, magnifique épée, les gars. Donc, c'est une épée, mais plus précisément, une hache. La hache royale. En gros, c'est la meilleure arme du serveur. Voilà, t'as ça, t'es le boss. Tu soulèves tout le monde en PVP. Même moi, je peux gagner en PVP. Et le minerai, voilà, le petit minerai royal que t'as soit en minant, t'as une chance infime d'en avoir là-dedans, soit tu peux l'acheter à la boutique. Honnêtement, je te conseille la boutique, sinon tu vas vraiment perdre ton temps. Mais les gars, c'est modé parce qu'il y a encore d'autres items. En effet, vous pouvez voir qu'ici, là, dans ma main, je tiens un petit piment. Parce que oui, les gars, le piment, ça va donner un petit effet de nausée, mais surtout un effet de speed. Donc très utile quand vous n'avez pas forcément des stuff modés, parce que les stuff modés sont compliqués à avoir, que vous avez, vous pouvez vous en servir, évidemment, pour le PVP. Parce que les gars, sachez que ce serveur est un serveur PVP, donc kitmap, mais aussi un serveur pour les farmers, parce que vous pouvez farm, notamment vos stuff, farm pour votre faction, et voilà, parce qu'il y a un système de faction. Vous avez ensuite le joint, voilà, un bon gros bédo, on connaît, bien évidemment, et le bédo, les amis, quand vous le prenez, vous allez tout simplement avoir un effet de force 2 et de régénération, et ça c'est pas n'importe quoi. Vous avez ensuite l'étoile ici de téléportation dans ma... Regardez, si là je fais un clic dessus, et ben je me suis TP à lui. Vous voyez que c'est pas mal. Bon, il y a un cooldown, mais c'est super stylé. Mais les gars, il y a aussi un item qui s'appelle le ballon, et qui va vous permettre simplement de back de vos apps. Regardez les gars, il va s'en servir, franchement c'est ultra stylé. Il a là dans sa main, hop, vous voyez, c'est ça. Et là il va s'en servir, hop. Hop, et regardez comment il est parti super haut. Il a juste fait un clic gauche et est parti super haut. Donc imagine, t'es en bas d'une AP, franchement c'est une dinguerie et ça te sert instant. Voilà, c'est ce magnifique petit ballon. Pour ceux qui ont vu ma cape, elle est plutôt stylée parce que oui, il y a un slash cap pour avoir plein de capes gratuitement, c'est des cosmétiques. Mais ça fait toujours plaisir. Et il y a un autre item qui est sur le serveur, ça va être le dernier item modé, qui va être utilisé simplement pour aveugler vos ennemis en PVP et avoir une chance de back. En gros, c'est un stick à citrouille, vous allez voir, c'est super stylé. Donc là, imagine que je suis en train de PVP, et vu que je suis trop fort, il est en situation de faiblesse, et bah tac, là vous voyez que je ne vois plus rien. Et là, il peut back et je ne sais plus où il est. Voilà. Et en plus, c'est protection 5, c'est pas piqué d'un ton. Mais les gars, c'est pas tout, parce que sur le serveur, il y a des events, il y a du KOTH, il y a du totem, et il y a du Nexus, donc franchement, c'est une grosse dinguerie. Et il y a aussi du cash price, les amis. Donc il y a du cash price. En gros, chaque mois, la meilleure faction va remporter 10 euros. La deuxième meilleure faction va remporter 5 euros. Et deux joueurs de la troisième meilleure faction vont remporter les deux meilleurs grades du serveur. C'est pas de la merde, donc franchement, venez jouer, les amis. Pour vous connecter, rien de plus simple. C'est sigmamc.fr et le port de base. Leur Discord est en description, donc franchement, allez les voir. Merci à eux de sponsoriser la vidéo. Chaps, t'es un BG. Voilà, franchement, les gars, c'est un serveur que je recommande. Pour ceux qui cherchent des kitmaps en ce moment, n'allez pas sur Azoria. Venez ici, parce que franchement, c'est super sympa. Personnellement, moi, je compte y jouer. Peut-être même qu'on va faire un petit live sur le serveur. Parce que oui, le serveur, les amis, ouvre samedi à 16h30. Donc samedi à 16h30, j'essaierai d'être là. Donc soyez au rendez-vous, les gars, et ce sera l'occasion de vous faire vos petits recs pour me SB et m'afficher sur YouTube. Bref, toutes les infos en description. Encore merci à Sigma MC, et on passe à la suite de la vidéo. Donc je préviens tout de suite, les gars, ce n'est pas le début d'un let's play. Voilà, les gars, Gladiators, j'ai déjà présenté le serveur lors d'une vidéo présentation. Donc le serveur avait beaucoup de potentiel, et j'ai notamment dit dans cette vidéo que j'allais venir pour faire un petit truc, et on va voir ça juste après. Mais avant, les gars, pourquoi vous parler du début de mon aventure? Je sais que ce n'est pas un let's play qui va arriver, mais j'ai un petit peu essayé le serveur, j'ai un petit peu joué, et je me dis pourquoi pas faire une petite vidéo. Premièrement, les gars, autant présenter ma petite BP. Alors, rien de bien sophistiqué, hein, voilà. Mais j'ai accumulé pas mal de stuff. Du stuff, aussi bien en améthyste, avec mon petit hammer en améthyste, qui est pas piqué des hannetons. Ensuite, ici, on a pas mal de ressources. Vous savez quoi? Je vais prendre les minerais de bronze et le diamant, et même ceux de la piste. Vous allez voir pourquoi après. Ma base perso à moi. Mais j'ai aussi rejoint une petite faction, comme c'est la Dark Ezen. Allez, vu que je suis gentil, je vais prendre mon kit youtubeur. Ah, en fait, j'ai tous les kits.
Dans le kit mécène, par exemple, j'ai quoi dedans? C'est sympa. Ah, attendez, j'ai une petite qui est juste ici. Okay. C'est ultra stylé, les gars. Et j'ai eu 10 points boutique. Ok. Donc les gars, si vous êtes encore là au moment de cette vidéo, ça veut dire que vous aimez bien mon contenu. Donc je vous invite tout simplement à vous abonner parce que il y en a beaucoup qui aiment mes vidéos, qui les regardent souvent, mais qui ne sont pas abonnés. Et je trouve ça vraiment dommage. Ils n'ont pas payé pour faire une vidéo sur un serveur. Je la fais vraiment parce que j'ai envie et parce que en ce moment je sais plus trop quoi faire sur MCPE. Comme beaucoup de personnes, je trouve que les serveurs, bah il y a plus tellement de trucs intéressants. Après, je sais qu'il y a mon serveur, mais mon serveur est pour l'instant pas encore ouvert. Donc, je viens ici faire une petite vidéo sympathique. Je dis pas qu'il y en aura d'autres, mais c'est toujours sympathique. Donc, me voici, me voilà. Ok, les gars, donc ça semble à peu près à ça, sachant que j'ai pas tout bien posé. Et on va casser, et vous allez voir que tout de suite, bon, peut-être pas tout de suite du coup, mais avec quelques coups, je vais très vite monter de niveau parce que c'est vraiment abusé. Regardez, là, je suis déjà à niveau 27. Bon, j'avais déjà des niveaux, mais vous avez vu, là, niveau 27... Et là, je vais sûrement repasser d'un niveau. Attention, 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 attention. Ouais. Bon, c'était plus impressionnant au début. Maintenant, les amis, si on est là, c'est surtout pour une chose. C'est pour se présenter en tant que maire, président, je sais plus comment ils appellent ça. Parce qu'il y a des élections sur le serveur. Vraiment, on voit qu'actuellement, le magistral, c'est cette personne. Qui a aussi cette personne. D'ailleurs, cette personne, c'est Panz, c'est un mec qui m'a super harcelé et qui a raid notre Discord. Donc franchement, méfiez-vous de cette personne, vraiment, c'est un bon gros cancer. Donc il mérite pas sa place en tant que magistral. Il a insulté, il m'a insulté moi et ma famille, des personnes de ma famille qui sont décédées. Bref, on est d'accord pour dire qu'il a aucun moment, il ne doit être magistral. Donc c'est pour ça que là, je compte sur vous et que vous allez rentrer en jeu, les amis, les abonnés, les gros BG. Parce que ici, on peut se présenter. Donc dans le chat, ça a mis un petit message. Dotao a déposé sa candidature à l'Ecclesia pour devenir magistrat. Il doit désormais récolter suffisamment d'approbation de la part des joueurs pour devenir candidat officiel et avoir une chance de participer à l'élection. Je sais que vous êtes à peu près 400 à regarder la vidéo, donc ça veut dire qu'il y a potentiellement 400 personnes qui peuvent voter pour moi. Les gars, donc n'hésitez pas à venir voter. Donc là, je vais trouver comment avoir le livre et ensuite, je vais vous demander de le signer. Mais d'abord, il faut que je trouve un livre. Actuellement dans le shop et regardez, livre vierge. Donc je vais en acheter un. Les gars, c'est bon, j'ai mon livre qui vient d'être... je viens de le faire et tout, donc votez Tao. Donc si on clique dessus, on voit voter Tao par Tao. Tac, on clique dessus, votez pour moi, Tao, votre youtubeur préféré, afin d'être magistrat, afin d'être le magistrat qu'il vous faut, givez garantie à mon élection. Parce que oui, je ferai gagner quelque chose à mon élection, donc du stuff, je sais pas, un grade, quelque chose. Donc votez pour moi, raison de plus. Donc regardez, il est juste en face de nous. Donc là, j'ai le livre. Donc je sais pas comment il va faire pour signer, mais il faut qu'il trouve un moyen de signer. Tao, le président, et ça a bien été fait par Max Ju. Et donc si je clique là, déposer candidature, ok, ça marche, donc j'en ai déposé une. Donc en fait, il faut que ce soit moi qui les dépose pour vous. Donc là, j'en ai un, il faut que je parte à la recherche des autres. Je vais faire ça hors cam, je pense. Sur ce, merci beaucoup à notre ami Max ici, qui nous a permis de commencer et de trouver comment faire. Donc merci à toi BG, ça fait plaisir. Mes chers abonnés, aujourd'hui, je me présente au poste de magistrat, car les choses vont mal sur Gladiators. Il y a des personnes qui sont magistrats aujourd'hui et qui n'ont pas du tout la carrure d'un magistrat. Ils ne mériteraient même pas d'être joueurs, ils devraient être ban car leur comportement est inacceptable pour la communauté. C'est à cause de gens comme ça que l'on dit que la communauté Bedrock est cancer, les amis. Donc franchement, quoi de mieux qu'un youtubeur sympathique et qui fait une vidéo sur le serveur avec de la bonne humeur pour être magistrat? Honnêtement, c'est une affaire en or. En plus, si je suis magistrat, vous allez gagner quelque chose. Je vais faire un giveaway. Je vais peut-être m'arranger avec le staff pour que chacune des personnes qui est connectée récupère une récompense. Je vais essayer de vous faire gagner un grade, je sais pas, mais vous inquiétez pas. Je vous donne ma parole que vous allez gagner quelque chose. Donc, autre que un bon... je continue. Autre qu'un bon état d'esprit lors de votre jeu sur le serveur, vous allez aussi gagner quelque chose. Donc, vous inquiétez pas. Donc, votez pour moi, les amis. Votez pour moi, c'est pas compliqué. En deux clics, c'est fait. Et voilà, c'était mon message de campagne. Donc, là, les gars, sur cette candidature aux élections de magistrats, qu'on va se quitter. Donc, je sais que ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu de vidéo sur Minecraft, encore moins du PvP faction. Donc, si ça vous plaît, les gars, je vous invite à faire péter les commentaires, la barre de like, etc., etc. Vous connaissez la chanson.
Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. Et ceux qui voudraient plus de vidéos sur Gladiators, n'hésitez pas à me le dire en MP. Ça peut être quelque chose qui peut se faire. Je peux en discuter avec les monteurs, avec l'équipe, tout ça, avec le staff même. Enfin, moi, je suis chaud. Pourquoi pas, les amis? Pourquoi pas? Écoutez, c'est plutôt sympa pour l'instant. Le problème, c'est qu'actuellement, il n'y a personne de co, quasiment. Donc, les gars, ça va être tout pour cette petite vidéo. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement, le partage. C'était Tao. Et à la prochaine, bande de BG.